2, 6. Test. Jésus. 2, 4, 6. 2, 4, 6. La louange. Jésus. Test. Ah. Jésus.
2026. Pour écouter l'oraison finale.
raison funèbre suite au décès de M. Barnes. Né à Port-Gentil le 25 avril 1953, décédé le 7 février 2022 à Lyon. Né de Bernard Mézou et de Valérie Juliette. Père de 8 enfants. Monsieur Marc Mézou nous laisse à l'âge de 68 ans. Il fait ses études primaires à Port-Gentil, le secondaire à Port-Gentil, puis en France, où il obtient son bac C. Ses études supérieures en France, à l'école d'électricité de Violet, puis le Beaumont, sanctionné par un diplôme d'ingénieur en électromécanique. Il rentre au Gabon à Chambéry en qualité d'ingénieur où il l'exerce pendant 3 ans. Attiré par le monde des affaires, il se met à son compte, d'où il crée plusieurs entreprises. Pour ses amis, c'est un grand vivre de perdre un élément aussi valable au service de tous. Aussi, nous nous édifions selon son comportement que vous ignorez, selon sa sagesse, son dynamisme et sa volonté d'être avec tout le monde, son sourire. Grand animateur des circonstances de vie, un homme charismatique aimant son travail avec application et rigueur. En effet, la séparation brutale de notre père, frère et ami, grand-père, nous révèle beaucoup d'histoires de son passé. Ce n'est pas seulement un baobab qui est tombé, mais une bibliothèque qui est brûlée. Papa, en nous laissant sur le port de la vie, tu nous as quittés afin de voyager vers des contrées certainement paradisiaques. Papa, il nous faut faire notre deuil et te laisser partir en paix. Il nous faut accepter que la mort fait partie du chemin de la vie. Adieu, papa. La mort ne t'emporte pas. Elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras. Nous, tes enfants, Émilienne, Évelyne, Stéphane, Donald, Jérémy, Jean-Daniel, Armand, François, Célia, Hélène, Fatou, Léa et Léon. Éric, Stéphane et Guy. Tu restes à jamais gravé dans nos cœurs. Repose en paix, papa. Écoutez la vie de papa Marc. Un homme entreprenant, un homme à l'esprit ouvert, un homme qui voulait travailler avec les autres.
ce qu'il avait, la maîtrise de la langue. Et nous autres, en regardant notre vie, on voit peut-être nos langues blessent. Voilà pourquoi nous avons demandé pardon pour nous-mêmes, pardon pour lui, pardon pour les péchés que nous sommes en train de commettre. En disant humblement, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Jacques au chapitre 3, les 10 premiers versets. Mes frères, ne croyez pas avoir tous la mission d'enseigner. Vous le savez bien, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car nous commettons tous beaucoup de fautes. Si quelqu'un ne commet pas de fautes en parole, c'est un homme parfait, capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons tout leur corps. Voyez aussi les navires. Quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de celui qui tient la barre. De même, notre langue, qui est une si petite partie de notre corps, elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore. Une toute petite flamme peut mettre le feu à grande forêt. La langue aussi est un feu. Elle est le monde de la méchanceté. Cette langue est une partie de nous-mêmes et c'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle met le feu à toute notre existence, un feu qu'elle tient de l'enfer. Les humains sont arrivés à dompter et à domestiquer toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et de poissons. Mais la langue, aucun homme n'est arrivé à la dompter. Vraie peste est toujours en mouvement, remplie d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à maudire les hommes. Eux qui ont été créés à l'image de Dieu. Bénédiction et malédiction sortent
la même bouche. Mes frères, il ne doit pas être ainsi. Parole du Seigneur. Venez d'abord. Jésus leur dit,
prêtre Élie viendra d'abord pour remettre tout en place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme, il souffrira beaucoup et il sera épuisé? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Seigneur, les amis des papas Marc et Zouz, ces enfants, un moment pénible, mais la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. En voyant le Christ ressuscité, il nous a montré que tous, nous sommes des passages. C'est lui qui vivra à la manière du Christ. Le corps va se décomposer, mais l'âme va ressusciter. En ce moment, comme je vous ai dit au début, je ne viens pas prêcher papa Marc, je voudrais prodiguer les conseils à travers cette parole du jour que j'ai trouvée intéressante. On nous a parlé de la vie de papa Marc, un homme de grandeur, un homme d'esprit, un homme expérimenté, un homme sage, un homme qui voulait, comme on venait de nous dire, travailler avec les autres, associer les autres dans tout ce qu'il faisait. L'expérience des voyages nous rend l'esprit ouvert. Pour les enfermer sur soi. Même vivre au milieu des gens, si vous n'avez pas la langue qui s'en tient, c'est très difficile. Sinon, partout où vous passerez, il n'y aura que le feu. Paix et joie du Christ nous rappelle une réalité extrêmement importante. Faire membre des familles pour vivre dans la cohésion, pour continuer l'œuvre des papas Marc. Pour promouvoir la cohésion, la communication, Saint Jacques nous parle de la réalité de la parole et de la communication. Jacques d'abord a écrit aux Juifs, étant donné qu'ils étaient en train de cohabiter avec les chrétiens issus de la culture païenne, dont l'hellénisme, c'est-à-dire la culture grecque, l'un des facteurs importants pour promouvoir la convivence fraternelle, la communion, l'unité. Eh bien, c'est l'usage de la parole. Vous restez entre vous. Pas au bas, dit-on.
mais il est vivant à travers ce qu'il a fait. Père, Jean le Christ, il y a les péchés de la langue, les péchés liés à l'usage de la langue, les péchés liés à l'usage de la parole, les péchés de communication. Chacun de nous peut y réfléchir dans le temps. Je voulais en partager avec vous trois sortes de péchés qui sont liés à la langue. Le premier péché, c'est la médisance. La médisance. Si un baobab tombe et vous ne faites pas attention, voilà où naît le premier péché, la médisance. Mais en quoi consiste ce péché? Dire des choses qui sont vraies, mais qu'on ne devrait pas dire. Alors, si nous voyons, l'Afrique fait la même expérience partout. Des choses qu'on ne veut pas dévoiler, dire, vrai, on les dit. Si vous ne faites pas attention dans toutes les familles, dans toutes vos familles, ça peut être dangereux. La médisance est une sorte d'indiscrétion, de préjudice à la dignité de l'autre. À cet âge-là, c'est pas n'importe qui. On sent que quelqu'un qui a su gérer vraiment sa famille, qui est une grande famille, et là où il a travaillé, on sent que c'est quelqu'un mature. Dans nos familles, si nous ne faisons pas attention, on peut aller trop bas. On parle souvent des matériels qui divisent nos familles. La personne ne fait allusion à la médisance. Il y a des choses qu'on connaît sur les gens, mais qui ne nous sont pas ouvertes et les dire. Le respect de la dignité de la personne vaut la peine. Un conseil à la famille. Et à nous autres pouvons en bénéficier. Il n'y a pas que seulement la médisance, le deuxième péché que j'ai relevé, la calomnie, qui consiste à répandre des choses qui sont complètement fausses, que fausseté. Les mensonges sur quelqu'un. Juste pour les salir. Dans nos familles, c'est vrai qu'il n'y a pas seulement que des bons, mais des mauvais. Mais si on est incapable de gérer nos différences, nos familles risquent de s'éclater. Souvenez-vous alors, certaines personnes qui n'apparaissent pas, leur présence, par exemple, c'est l'enveloppe que l'envoie sur le campus. Parce qu'elle a été blessée au lieu de se mettre avec les autres. Nous devons éviter ces choses-là. Il n'y a pas seulement la médisance et la calomnie qui peuvent être à la base de la déchirure de nos familles, mais aussi c'est le fait de manquer le discernement dans tout ce qu'on dit. Le discernement. Aujourd'hui, nous le voyons, même dans les réseaux sociaux, un message arrive dès que vous êtes déjà connecté sans avoir lu. Tenir compte des tenants et des aboutissants en balance. Des vrais et des faussetés. Ne soyez pas pressés de parler. Ne soyez pas pressés de dire des choses. Voilà, on commet ces péchés de manque de discernement sans pour autant les savoir.
faut que, comme l'enfant a dit, papa intercède pour vous, il est là. Donc, si je vois aussi l'harmonie qui règne dans cette famille, même dans nos familles, l'unité de la famille, j'insiste, c'est à promouvoir. Car le décès, il y a beaucoup de tractations, beaucoup de gens qui en profitent, beaucoup de paroles qui atterrissent, mais il faut que sortent des paroles qui réconcilient, qui réconfortent les gens. Paix et joie du Christ. Dans l'Évangile, il est question de la transfiguration du Christ. Il faut, voilà, on est grâce à demander que le Christ transfigure nos langues, pour que nos langues ne soient pas comme un feu dévorant, comme un feu qui détruit, mais que nos langues soient plutôt des outils de bénédiction. Il faut que nos paroles, si nous voulons garder l'unité, la cohésion, il faut que la langue soit la langue de bénédiction. Quel que soit ce qu'il y a, les différents ou pas de mésententes, des incompréhensions, il faut que la langue soit l'outil de la bénédiction. L'Église s'est transfigurée profondément. Il faut que notre regard soit digne des chrétiens que nous sommes. Que le Seigneur transfigure aussi nos langues, nos paroles, pour que nos paroles transfigurées soient des paroles qui édifient, surtout en ce moment difficile de décès. Faut que la langue, les paroles de tout un chacun de nous soient des paroles qui édifient. Je voulais terminer cette parole avec cette exhortation, avec ce proverbe qui dit ceci. Entre celui qui mange n'importe quoi et celui qui dit n'importe quoi, mieux vaut vivre avec celui qui mange n'importe quoi. Paix et joie du Christ. Je reprends l'adage des anciens. Ça dit ceci: entre celui qui mange n'importe quoi et celui qui dit n'importe quoi, mieux vaut vivre avec celui qui mange n'importe quoi. Que le Seigneur ait pitié des papas, qu'il pardonne ses péchés, qu'il réconforte sa famille, et que le Seigneur nous aide à répandre l'amour autour de nous et autour de cette famille. Que le Seigneur nous aide à accueillir cet évangile de transfiguration, afin qu'il y ait l'amour. Car là où il y a l'amour, Dieu est là. Coran. Où sont amour et charité?
papa Marc, notre frère défunt, afin qu'il trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, Seigneur, nous te prions. Deviens plus fraternel et plus juste, Seigneur, nous te prions. Que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, Seigneur, nous te prions. Un peu en perdre aucun. Permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous te le demandons, Père, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Prends pitié, Dieu très bon. Le papa Marc Mézou, qui vient de mourir, c'est pour lui que nous t'offrons les sacrifices qui donnent la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Nous te demandons par Jésus, ton Fils qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu éternel et tout puissant par les fils et l'homme Seigneur. Lui seul, en acceptant la mort, nous arrache à la loi de la mort. Lui seul, en donnant sa vie, nous fait vivre éternellement pour toi. Avec tous les saints du ciel, nous pouvons dès maintenant te rendre grâce en chantant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mais quoi en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Mais quoi accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous allons confier au Seigneur tous les défunts de la famille, de les clans de Papa Marc Mézou, et que le Seigneur conseille et console à toute la famille. Disons ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons lire avec confiance la prière. Le tout-mal, Seigneur, délivre-nous de cette pandémie, Seigneur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre, Papa, Marc, Jésus, de la mort éternelle. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix dans sa famille. Donne la paix dans notre pays de Gabon. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, en respectant la distanciation physique, échangeons-nous un signe de paix. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Ton pas, ton bébé.
Prions encore le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, au sacrement de ton Fils, mort pour nous, ressuscité dans la gloire, et nous te supplions pour ton serviteur, Marc Messou. Fais que purifié dans la Pâque du Christ, qu'il ait en partage la gloire des élus, quand viendra l'heure de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Est endormi dans la paix du Christ. Confions-le à l'amour de Dieu, notre Père, dans la foi et l'espérance de la vie éternelle. Accompagnons-le dans notre prière. Il est devenu enfant de Dieu par les baptêmes. Il a pris part au repas du Seigneur pour y trouver la force. Qu'il soit invité maintenant à la table du Père dans les cieux. Qu'il reçoive en héritage avec les saints l'éternité promise. Prions aussi le Seigneur pour nous-mêmes, puissions-nous, un jour après la douleur et les larmes, aller avec notre Papa à la rencontre du Christ, quand il viendra dans la gloire, lui qui est notre vie. Recueillons-nous dans cette espérance. Les honneurs de tes amis. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Qu'il voit enfin ton visage et découvre ta joie. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Et que son souvenir nous rapproche de toi. Qu'il vive auprès de toi, Seigneur. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. J'ai béni le corps de Papa Marc Messou. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'eau qui t'a donné la vie lavera ton regard et tes yeux.
Jésus. Notre Frère, que cet encens entoure son corps et monte devant Dieu avec notre prière. Quand viendra le dernier jour à l'appel du Seigneur, tu te lèveras et tu marcheras comme un tendre qui matin brillera le soleil et tu de sa maison, notre Père t'attend, et les bras de Dieu souriront sur le seuil de sa maison. Accueille leur prière pour celui qui le pleure. Toi seul est saint, toi seul est capable de miséricorde, pardonne à notre papa Marc toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que papa Marc me joue. Sois séparé de toi. Mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix. Nous te le demandons, Père, par Jésus, ton Fils, qui vient règne pour les siècles des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous un signe de cette ensemble, nous avons cherché. Allez, et demeurons dans la paix du Christ. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Que l'âme de Papa Marc Jésus repose dans la paix du Christ. Amen. Je suis un peu plus de temps.
Elle est quelque part. Thank you.
que si nous, on a du mal à pouvoir accepter ton départ. Seigneur, il a brisé le cœur, elle pleure et fort. Seigneur, prends-le dans ta douleur, tout ce que tu fais est bon. C'est ta clé. Ah ça. Voilà, voir le feu. Ah ça c'est sûr. On se lève, on ne bouge pas. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Nous allons répondre, donne-lui Seigneur le repos éternel. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Confions au Seigneur celui qui vient de nous quitter. Donne-lui Seigneur le repos éternel. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, esprit-nous l'homme, nous t'en prions. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre frère Marc, nous t'en prions. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Ainsi comme nos cœurs, en espérance, nous t'en prions. Seigneur notre Dieu, fais miséricorde à ton serviteur Marc, qui n'a pas subi le châtiment de tous ses fautes. Puisqu'il avait le désir de garder ta volonté, la vraie foi lui était ici-bas, au peuple de tes fidèles. Que ta bonté l'unisse maintenant à la foule des anges, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On va descendre le cercle. Vous soulevez d'abord. Dis sur le confrage, il s'agit de faire des mots. Dans l'espérance de la résurrection, notre frère Marc repose dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
l'université nouvelle des morts. Tu as été une bonne personne, je retiens, je garde de très bons souvenirs de toi. Tu as été un papa aimant. Normalement, s'il y a une famille maternelle, je peux parler. Une famille paternelle, je peux parler. Stéphane a déjà parlé. Tu as été un bon grand-père pour tes enfants. Tu laisses de très bons souvenirs. Je vais réaliser tout ce que tu m'avais dit. Je vais réaliser tout ce que tu m'avais dit. Je vais continuer à écouter tous tes conseils. Et je sais que de là-haut, tu me vois, tu m'entends. Je sais que tu es fier de moi. Je sais que tu vas toujours m'accompagner. Maintenant, je vais te laisser te reposer. Pour toi, mais sache que je garderai toujours le même sourire jusqu'à la fin. Ma fille chérie. Je veux dire quelque chose.
Fanne. Au nom de la famille Mezou,
je voudrais vous remercier très sincèrement de nous avoir accompagnés depuis que nous sommes dans ce voyage. En tout cas, merci de tout cœur. Mais comme il est de coutume, quand on est dans ces événements-là, on ne se quitte pas comme ça. On partage un petit quelque chose avant de nous séparer. Donc, on a prévu un petit peu, un petit verre d'eau, un petit sandwich, quelque chose. On va se partager ça. Et nous vous remercions d'être venus, de nous avoir accompagnés. Et que Dieu vous accompagne à retour vers vos différents domiciles. Et que ça se passe bien. Merci à Dieu. Merci. Du Saint-Esprit. Bénissez nos seigneurs, bénissez soeurs et femmes, bénissez le vin que l'on a prêté pour nous, aidez-nous à partager avec ceux qui n'en ont pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon appétit à tous.